Jeff, ça fait deux heures que je cherche. C'est vrai. C'est gigantesque ici. Oui, parmi tout le bazar, si on oui, peut. Exactement. Dire ça. Oui. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'un peintre américain vient faire ici au marché matinal de Bruxelles? C'est un lieu plutôt incongru, comme rendez-vous à une heure aussi. Il n'est pas 7 heures du matin. Oui, non. Mais ouais, j'ai découvert ça il y a 12 ans, quand mon fils faisait pas les nuits. D'accord. Oui, il n'y a pas grand-chose à faire à Bruxelles pendant le milieu de la nuit. Et tu le prenais avec toi, alors? Non, tout seul. Tout seul. Oui. Et donc, je me suis retrouvé ici et je suis passionné de cuisine. Donc c'était je cherche ça, mes ou les bars de nuit, boîtes, mais non, ça, c'est tu pas as fait pour ton moi, choix. Ça. Oui. Tu me fais visiter parce que moi, qui suis bruxelloise, c'est la première fois que je viens au marché matinal. C'est vrai? Oui, wow. Tout à fait. OK. Tu me montres? Oui, bien sûr. On y va? On y va. OK. C'est un peu un extraterrestre tombé du ciel. Ou un fruit d'origine inconnue qui changerait de saveur à chaque bouchée. Jeff Koach est à l'image de ses peintures. Il se compose d'une centaine de couches. Ce que vous voyez n'est pas ce qu'il est. Vous voilà prévenu. Ici, c'est pour gagner le prix. Oh là 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 là. Ah oui, là, tu as un choix extraordinaire de fromage, là. Oui. Non, c'est super. Mais explique-moi le lien entre l'artiste peintre que tu es et ce marché matinal où on trouve un choix de fromage extraordinaire. Et... J'aime bien faire la cuisine aussi, un côté de m'enfermer dans la cuisine après mon atelier, parce que je suis toute seule dans l'atelier, et puis je rentre à la maison, trois enfants, beaucoup de là, 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 je... dans la cuisine, je continue la même chose que dans mon atelier. Oui, d'accord. Oui. Il y a une continuité. Oui. Alors, quel fromage est-ce que tu vas choisir? Ah, mais j'aime bien toujours prendre un sortiment, quelque chose de vache, brebis, chèvre. Ah. Jeff, comment ça va? Ah, quelle surprise! On s'embrasse quand même. Hein. Bonjour. Bah, écoute, voilà. C'est votre lieu de rendez-vous? J'ai été initié grâce à lui. C'est vrai? Oui. Et vous vous rencontrez ici avant de commencer votre journée en pleine nuit? Pas tous les jours. Hein. Pas tous les jours. Et donc dans la vie, vous êtes peintre aussi, artiste ou... Chacun dans son genre. Hein. Non, je ne suis pas artiste, mais j'ai des entreprises à se développer. Et un jour, j'ai rencontré Jeff en visitant son atelier. Puis on a beaucoup parlé tous les deux. Et en fait, on est dans deux mondes très, très différents et en fait, on n'arrête pas de se rejoindre. Et où est-ce que ça se rencontre? Expliquez-moi. Je pense que c'est dans le fait de oser. Voilà. Lui, c'est communiquer ses couleurs et sa force. Il y a plein de couches qui sont cachées derrière et qui racontent toute une histoire, mais qui n'est pas forcément ouverte à tout le monde. Mmh. On vient d'en voir une. Hein. Voilà. Le cuisinier. Oh, vous en verrez d'autres. Hein. Bah, j'espère Et puis, moi, dans le monde de l'entreprise, on est dans un monde où il faut remettre en question les habitudes, les routines et toutes ces couches qui se sont superposées et qui fait qu'on n'est plus très agile aujourd'hui. Quelque chose qui m'a frappé, une fois, j'ai dit, il m'a demandé, qu'est-ce que tu vas faire après pour la prochaine série d'étoiles? Parce que je travaille depuis des années sur le carnaval et cirque. Et j'ai dit, je vais commencer avec Dante, le Divine Comedy, oui? Mm-hmm. J'ai dit, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu ne peins pas juste Jeff? Juste peins Jeff? Ça, c'est boring. C'est embêtant, oui. Il me dit, tu crois que tu es boring? Oui, je suis boring. Et puis, je commence à réfléchir. Suis-je embêtant? Oui. Non, mais maintenant, c'est un challenge. Voilà. Et tu as une réponse?
Non, mais ça, moi, c'est bien. Mais on va peut-être la voir à la fin de l'émission. J'espère, est-ce que tu es boring ou pas? Oui. Jeff Koach savait-il qu'il troquerait l'Hudson River de New York contre le canal de Vilvoorde quand l'amour lui tomba dessus il y a 18 ans? Sans doute pas, mais il y vit un signe du destin et embarqua ses œuvres inspirées des grands abstraits américains dans cette vieille Europe où il ne tarda pas à se faire remarquer, entre autres par le directeur des musées royaux des Beaux-Arts. Michel ! Hello ! Nous attendent à la fois. Non, heureusement, il fait beau et chaud, donc c'est pas un problème. C'est toujours un bonheur. Et donc, on va cuisiner, alors. Ah, oui. Ouais. Il va faire du Jeff Koach. Voilà. Voilà. Partie de mon atelier. Ici, j'ai fait revenir les apôtres qui j'ai fait il y a déjà presque 30 ans. 89, j'ai commencé cette série d'étoiles. Donc ça, c'est... tes toutes premières toiles. Oui, plus ou moins, oui. Ils étaient stockés dans le grenier de ma belle-mère, en Flandre, cachés. C'est la première fois que je vois aussi, depuis 15 ans, ils étaient dans son grenier. Et vous les connaissiez? Du tout. C'est la première fois que je les vois. C'est assez surprenant. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller dans le grenier de la belle-mère. Donc, je ne les avais jamais vus. On y reconnaît des choses qui sont déjà du Jeff. Et des choses qui ont disparu depuis. Il y a déjà un goût pour des taches qui apparaissent. Il y a encore le sens des craquelures qui va se retrouver par la suite. Et puis ce côté très apparition, qui relève de son côté mystique. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a un côté, oui, bah, clairement, on sent l'église, les dorures. Mais justement, je voudrais... s'éloigner un peu de l'Église, l'idée de ça. Et... enfin, cela dit, faire les apôtres, c'est quand même déjà très religieux. Oui, je sais, mais je voudrais rendre les apôtres... Donc, il n'est pas religieux comme un Américain peut ne pas être religieux, en peignant des apôtres. Voilà. Mais l'idée était donc, tu as trouvé les 12 Oui, les 12 plus la Trinité. Waouh. Mais à part ça, t'es pas religieux. Non, c'est pas religieux. Juste le procès. Je fais ça religieusement. D'accord, le processus est religieux. Oui, oui. Mystique plus que religieux, je crois. Mm-hmm. Oui. On continue? Oui. On va voir ton parcours? Oui. Donc, après j'ai terminé les 12 apôtres, là, j'ai commencé sur une série sur la Vierge Marie. Mm-hmm. Que c'est vraiment un tableau... clé pour moi. Dans les autres tableaux-là, les 12 apôtres, il y avait toujours les symboles. Symboles. Mm-hmm. Et ici, il y avait un symbole au centre. C'était quelque chose comme ça, un earth goddess, comment on dit, un déesse. On avait cette grande forme de goudron-là. Mm-hmm. Ah, je dis non, c'est toujours une idée. Ce n'est pas l'idée de christianité, mais c'est quelques mille années avant la christianité. Pour moi, c'est toujours une idée. Je voulais éviter ça, aller plus vers l'essence de ça. Et donc, j'ai effacé ce figure avec le fond, et le fond a devenu la toile avec toutes ces taches. Et après ça, je me dis, waouh, OK, maintenant j'ai trouvé la langue. Je peux employer mon langage pour exprimer mes idées par rapport au sujet, les sujets que je travaille. Et là, on a toujours le même matériel, le jute, parce que c'était pas cher à l'époque. Le lin était trop cher pour moi. Le jute avec le goudron et le peinture qui était... pas bien mélangé dans les grosses surfaces pour le peinture mural que j'ai acheté. Oui, j'ai pris pour rien. Et donc après, j'ai terminé cette toile, j'ai travaillé depuis, j'ai fait, ça m'a pris 3 ans, j'ai travaillé sur que cette toile-là. Pendant 3 ans? Oui. Et après cette toile, je me dis maintenant, OK, j'ai investi dans le lin et le peinture à l'huile et des choses professionnelles, quoi. Mm-hmm. Et puis, je me lançais comme ça et. Dès que j'ai changé le matériel, bien sûr, tout l'aspect a changé aussi. Et c'est intéressant de l'entendre parler, de voir ce contraste entre quelque chose de fruste, de brutal, et lui, d'un coup, se dit, après ça, je vais investir dans le lin, dans des couleurs professionnelles. Et on voit le basculement de l'un à l'autre. C'est intéressant de voir ce basculement parce que c'est vraiment un processus
initiatique, un peu mystique, de quelqu'un qui se cherche à travers la peinture, comme le faisait Kandinsky. Pour ce qui est de la technique, Jeff s'inspire d'une recette inventée au XVIIe siècle par un certain Rembrandt. Pour obtenir son glacis, il fait épaissir au soleil de l'huile de lin mélangée à de la térébenthine. Pour le reste, il peint comme il médite quand il était maître zen, à la recherche de l'extase de l'instant présent. Il nous plonge dans une réalité abstraite, débarrassée de Dieu et de ses prophètes, comme dans cette sortie du Christ de Bruxelles, en réponse à James Ensor. Ça représente. C'est quoi? C'est 4 mètres sur 4 mètres, quelque chose, 2 mètres 50, je ne me rappelle plus. C'est le plus grand que tu as oui, ici. C'est, oui, oui. Et pourquoi cette envie de faire une réplique à Ensor? Mais c'était logique parce que cette toile est très importante à moi parce que je suis grandi avec ça en Californie. Et ce toile se trouve dans le Getty Museum, hein, mm-hmm. et j'étais là depuis le début, que je crois qu'ils ont acheté ça en 87 ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et c'est aussi l'idée de la religion qu'il a mis dans son œuvre, et je crois que c'était un déclenche pour commencer, même avec les apôtres, mm-hmm. de cette idée de religion contemporaine. Oui. Mm-hmm. Comment on peut voir ça aujourd'hui? Par rapport à Ensor, celui-ci est beaucoup plus apaisé. Mm-hmm. Le Christ n'est pas rejeté par l'homme des foules, il n'est pas rejeté par l'opinion généralisée, il n'est pas seul contre le monde, mais ça devient une sorte de grand carnaval coloré et joyeux d'une certaine manière. Mm. Mais ici, là, on est presque dans de la biologie, peut-être, hein, pour être dans des cellules. Oui, c'est un élément de vie organique et de bien-être. Qui est aussi lié à un travail qui est lui-même de plus en plus ritualisé. Mettre de la couleur, on les voit derrière, avec ce sens du classement qui est assez caractéristique de Jeff. Ce n'est pas du tout du désordre. Et ce n'est d'ailleurs pas une palette en bois, mais c'est aussi quelque chose qui donne d'emblée de la transparence à la couleur qui va apparaître en glacis sur le tableau. Et ce sont des couches qui viennent se superposer sur des couches. Et ce n'est pas du tout une archéologie où on aurait une grande profondeur avec de la sédimentation. C'est vraiment quelque chose qui devient alors aérien et qui est un sentiment de plénitude. C'est une peinture qui fait du bien. Moi, personnellement, c'est ce qui m'avait attiré chez lui. Mais ça ne se fait pas facilement. Ce n'est pas un claquement de doigts. Mm-hmm. C'est un travail qui est un peu un travail intellectuel, qui est un peu un travail sensible, mais qui est surtout un travail d'intériorisation. Et ça, c'est un aspect qui, dans son œuvre, aujourd'hui, donne, je trouve, atteint son plein rayonnement. J'ai grandi dans le quartier en Californie où ils ont tourné le film E.T. Mm-hmm. Et donc, vous pouvez bien voir les maisons dans les suburbs comme ça, avec mm-hmm. les grands garages pour les 3 voitures. Mm-hmm. Et il y avait une femme à côté de moi, une femme voisine qui habitait à côté, avec sa grande porte de garage ouverte, qui peignait. Et j'étais vraiment intrigué et elle me donnait quelques cours de peinture, la peinture à huile. Mm-hmm. Mais elle n'était pas vraiment enseignante et donc ma mère me plaçait dans un cours pour les adultes, mm-hmm. dans un grand magasin matériel d'art. Mm-hmm. Et c'était au fond de ce magasin. Et il y avait des cours pour adultes et tu t'es retrouvé. J'étais le seul enfant à 10 ans. Mm-hmm. Et il y avait un grand carton avec tous les dossiers des phares de tableaux anciens. Il faut choisir quelque chose et copier ça. Et donc j'ai appris comme ça, en copiant Picasso. J'ai toujours eu cette appréciation des grands maîtres et mm-hmm. des techniques de la peinture. Les grands maîtres et les grands chefs aussi. Car sous la couche de térébenthine se cache un passionné de bonne cuisine.
Jeff a suivi une formation professionnelle et fait un stage au Coq en Pâte, une adresse renommée de Bruxelles, où il parvient encore à surprendre. Oh, Jeff! Salut, Olivier. Qu'est-ce que t'as ramené? Je sais pas, j'étais au marché matinal ce matin, je fais un petit... Ça c'est chouette, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Avec du zaloti blossom. Tu connais ça? Non, jamais vu. Moi non plus. Ah, c'est bien, ça commence bien alors. Apple blossom? Mais c'est joli, non? Ouais, mais c'est bon ça. C'est pour toi ça. Ça, ça sent bon par contre. Oh, wow! Ok, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, Olivier? Donne-moi les idées. Idées pour ça? Oui. Tu es coincé, là. Rien. Rien. Oh, ça, c'est... Et après? Attends, je vais te présenter mon ami Adja, que j'ai fait réveiller à l'aube. Donc, elle est en train de prendre son café de ton resto, ici. Génial. C'est un bon cuisinier? Non. C'est pour ça qu'il a continué à peindre. Non, il est très créatif. Trop créatif. Trop créatif. Okay. Ce qui explique, c'est quand même étrange. Tu es dans la peinture, puis tu vas dans la méditation, puis tu fais de la comédie, puis tout à coup, tu te mets à faire de la cuisine à un niveau professionnel. Ça peut être un professionnel. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Ouais. Il a le potentiel, en tout cas. Il a le potentiel, les idées, la technique. Non, j'aime bien faire la cuisine comme un plaisir. Et ici, c'est du travail. Même dans l'école de cuisine, première année, c'était gay. Deuxième année, ça commençait un peu dur. Troisième, c'était difficile. La cuisine, c'est vraiment difficile. Donc, c'est 3 ans d'études que tu as fait. Oui, oui. C'est juste pour le plaisir. Oui, juste pour le plaisir, oui. Il est étrange quand même, cet homme-là, non? Non, il va au bout de ses idées. Et c'est ça qui... parce qu'il aurait pu très bien dire, bon, après un an, bah, ça va, j'ai coupé un peu dessus, j'ai vu, bah, c'est pas ce qui m'attire. Non, il commence quelque chose, il le termine. Il va toujours au bout. Et vous saviez qu'il était peintre? Ben moi, quand il m'a dit qu'il était peintre, moi, je pensais peintre. En bâtiment. Je dis peintre, je dis, ça tombe bien, parce qu'il y a le plafond de la salle de banquet qui était un petit peu... Et je m'étais dit, bah, tiens, pourquoi pas, une fois lui proposer, tiens... Et puis après, on m'a dit, non, c'est Jeff Kovac. Jeff Kovac, alors j'étais sur Internet, puis j'ai vu Jeff Kovac. Puis comme je connaissais rien, il a commencé à m'expliquer un petit peu ses techniques, et puis on est devenus amis au fil des ans. Et puis maintenant, il fait mon éducation, on va dire. Donc je vais à des expos avec lui, on va voir des galeries, il m'explique. Le pourquoi, le comment, c'est hyper complexe en fait. Hein. Et puis il m'a montré sa technique aussi de peinture qui est... il dit que c'est la cuisine, il dit que c'est difficile, mais ce qu'il fait lui, c'est un travail de forçat. C'est de la folie. Vous avez déjà vu sa façon de poncer des heures et des heures de repeindre, de poncer de... Sa centaine de couches. Oui, c'est fou. À côté de ça, la cuisine, c'est facile. Je me suis dit, c'est vraiment... Non, c'est vrai, c'est... À côté de ça, la cuisine, c'est vraiment... C'est quelque chose de faisable pour tout le monde. Mais ça... Wow. Et puis, il faut déjà avoir l'idée de ce que ça va devenir, en fait. Le secret de Jeff, c'est qu'il ne sait pas ce que deviendra sa création au moment où il l'entame. Que ce soit dans ses peintures à l'huile ou dans ses pastels gras, c'est le geste qui commande, l'emporte en tourbillon de couleurs jusqu'à un point d'équilibre qu'il sait reconnaître. Les pastels de Jeff sont une partie de son travail que j'ai toujours beaucoup aimé, avec cette matière très différente, la matière très lisse. De la peinture, et ici une matière beaucoup plus épaisse, plus organique, assez vivante. Et en fait, quand on discutait avec Jeff pendant l'année, à réfléchir comment on pourrait monter une exposition ici, est venue l'idée de monter pour la première fois une exposition seulement des pastels.
Et en fait, je trouve que là, c'est ce qui peut se passer de mieux dans le rapport d'un artiste avec un galeriste, c'est qu'ensemble, on a imaginé cette exposition et ça a mené Jeff à développer toute une nouvelle technique aussi dans son travail, avec tous ces pastels gras sur aluminium, donc sur plaques d'aluminium, sur dibon, qui est plutôt normalement utilisé en photographie, pour contrecoller les images. Et là, ici, comme support, à ces pastels gras, et voilà, avec ce développement assez extraordinaire qu'on voit ici. Et pourquoi carnaval ? Donc c'est la thématique de cette exposition-ci. Qui a choisi la thématique ? Ça, c'est l'inspiration de l'artiste. Hein. Pourquoi carnaval, Jeff ? C'est très gai, évidemment. J'étais toujours attiré par les artistes qui ont travaillé le carnaval, le cirque, Enzer, Picasso, Brock, qui a fait toute une série de lithos sur le cirque aussi, mais je n'avais jamais un point d'entrée. Mm-hmm. Et une fois, j'ai lu un critique américain, Dave Hickey, il a mis quelques mots ensemble, « Apocalyptic Carnival mm-hmm. ». Et quand j'ai lu ces deux mots ensemble, j'ai dit « Ah, ça c'est l'entrée ». Comme ça, je peux travailler sur ce thème. Parce Donc, que... le point d'entrée, c'était une contradiction oui, exactement. Entre deux extrêmes, oui, carnaval apocalyptique. Oui, parce que dans le clown, par exemple, on a le souris, mais pour être marrant, il faut le grimace. Mm-hmm. Et s'il n'y a pas le grimace, ce n'est pas drôle. Mm-hmm. Donc, moi, je travaille toujours les contraires et essayer de trouver l'équilibre entre mm-hmm. les deux. Oui. Mm-hmm. Et ici, ce qui est très particulier au travail de Jeff, à sa technique, c'est que tout ce que vous voyez là a été commencé en même temps, terminé en même temps, sur une période d'à peu près 2 ans. Voilà, ce ne sont pas des œuvres qui sont faites l'une après l'autre, achevées, et puis on passe à autre chose. Non, là, Jeff, il compose une série, un ensemble d'œuvres, un peu comme, j'imagine, les chapitres d'un roman pour un écrivain. Qu'on commencerait... Donc, tout en même temps. Voilà, avec différentes parties. Et comment ça se passe alors dans ton atelier ? Tu as plein d'œuvres comme ça, les unes à côté des autres. Mais t'as vu chez moi, c'est rangé, là. Ils sont rangés, c'est à la chaîne. D'accord. Mais il faut respecter le temps de séchage. Pour travailler les glacis, même les pastels, là, il faut que c'est sec avant que je puisse recommencer. Sinon, je vais juste mélanger les couleurs ensemble et on n'a plus cet effet de transparence, de glacis. Et ça, c'est très important de moi. Donc, pour travailler quotidiennement, je travaille sur 6 pièces par jour, ou 7, 8 pièces. Il faut que ça sèche, ça prend 3, 4 jours, et puis je peux recommencer là. Et quand, à quel moment tu te dis, ça y est, c'est terminé, j'y suis arrivé? Aïe, aïe, aïe. J'ai le sentiment aussi qu'ici, cette répétition dans le temps, pour aboutir à un équilibre. Et je crois que c'est ça aussi ce qui marque l'arrêt, c'est tout à coup, il y a un équilibre, il y a à la fois le mouvement et quelque chose qui est là et qui ne pourrait plus être autrement. Un équilibre que Jeff a su trouver aussi dans sa vie privée, auprès de celle qu'il a arrachée à sa Californie et de leurs 3 enfants qui, chacun, ont quelque chose à voir avec cette toile. Voilà, ma famille. Wow. Hello, hey guys. Bonjour. How's it going? Hi. Yeah. Et alors, c'est lequel ? C'est celui-ci, celui du milieu, qui ne dorme pas la nuit. Et tu nous as fait lever à l'aube pour voir le marché matinal que ton père visitait la nuit quand tu ne voulais pas dormir. C'est lui. Et puis, June, qui m'inspire beaucoup. Hein. J'ai fait un tableau de toi. Et qui veut être artiste elle-même plus tard. C'est vrai ? Peintre ou musicienne ou... Peintre. Et tu peins déjà un peu? Oui. Comme papa ou pas du tout? It's the first time you don't have words. Het lijkt er toch op wat je doet, hè? Het lijkt er op dat die zijn schilderijen. Ja.
C'est un peu le même style quand même. C'est vrai? Ouais. Ouais, faudra que tu nous montres ça. Mais si vous aviez rendez-vous là, ici, c'est, je crois, parce que vous aviez écouté de la musique. On va aller flager. À flager? Un peu de musique, oui. Vous êtes des habitués du lieu? On est Friends of Flager. Mm-hmm. Donc on est là assez régulièrement quand même, une fois par mois. Un minimum, oui. Eh bien, on va vous laisser terminer la journée en beauté. Et merci pour la belle journée. Merci à toi, super. C'était génial. Oui. Merci beaucoup, au revoir, Jeff. Au revoir, adieu. Au revoir, au revoir tout le monde. Allez, j'embrasse tout le monde. Au revoir, Jules. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh bien, bon concert. Merci. Hein. À bientôt. Merci. La prochaine expo. Merci. Et il s'en est allé, en père de famille, dans un halo de lumière où flottait encore son aura d'artiste peintre, de chef coq et de maître zen. Jeff Koach, l'extraterrestre. Thank you.